Plop, les gens, ici Zekino, de retour sur Graveyard Keeper. Vu que j'utilise la manette pour jouer, j'avais pas fait gaffe qu'il y avait des petites bulles qui réexpliquaient qu'est-ce que représentent les technologies. Et du coup, les points rouges représentent les compétences manuelles, ainsi que votre capacité à travailler les matériaux. C'est un bon rappel. Les points verts représentent votre connaissance de la nature, des choses et de la nature elle-même. Et les points bleus représentent votre connaissance spirituelle du monde immatériel. Donc c'est les points bleus, c'est le spirituel. C'était ça le mot que je trouvais plus. Pendant 20 épisodes au moins, plus. si ce n'est plus. Et en fait, c'était pas ça notre objectif. Bon, juste en ayant examiné l'armure, on a gagné beaucoup de points rouges, plus ou moins suffisamment avec la fonderie. Et par contre, entre temps, on avait déjà utilisé nos points bleus, ce qui est un tout petit peu dommage, mais c'est pas grave. Du coup, on va faire ça quand même. On va se faire un point bleu et on va extraire du marbre, tout ça. Au moins l'extraction. D'ailleurs, je suis en train de voir que la carrière, on peut pas la faire tout de suite. La carrière de marbre, il va me manquer un petit peu de rouge, de manuel. Mais ça se fera très vite. Je vais en miner un petit peu moi-même et ça se fera très vite. Par contre, celui-ci, pour le moment, on l'aura pas. Voilà. Est-ce que je peux sortir? Oui. Ça me fait penser. Là, il y a la gemme que j'ai. Récolte de diamants. D'accord. J'en ai acheté un. C'est vrai. Et là, vous savez fabriquer des bijoux magnifiques. Et trouver plus de gemmes. Je pense que le parfum d'or, ça améliore ces deux-là. Métaux précieux. Ah non, c'est métaux précieux. Et du minerai plus souvent. D'accord, les minerais connexes, oui, donc c'est bien ces deux-là. Et lui, vous savez, donc vous en vous avez le nez pour trouver des gemmes, donc vous en découvrirez plus souvent. Les gemmes, c'est là. En fait, les gemmes, ça peut être intéressant, mais. Je vais faire quand même ça d'abord, je pense. Et le bois gravé, ça, faudrait en avoir besoin. Du coup, tout de suite, la suite. Un peu d'huile. Là, je sais pas. Est-ce que c'est intéressant d'essayer sa chance à n'utiliser que deux de la qualité haute et un de la qualité en dessous en espérant que... Ouais, c'est bien 100%. En espérant que, du coup, on ait économisé un d'or, mais qu'on peut le regretter plus tard. Ou est-ce que vaut mieux assurer le coup, quoi qu'il arrive, et j'hésite un peu. De toute façon, j'ai 5 d'or doré, c'est ça. Donc je peux faire 1 à 5 pour avoir forcément un livre doré, un chapitre doré. Et je peux essayer. Et là, j'ai plus de doré. Je peux essayer comme ça. Je vais essayer d'arnaquer le système. Au pire. Ouais. Bah, le pire est arrivé. Tant pis. Voilà. Pire, de toute façon, j'avais pas de chapitre en or à portée de main. Alors, l'huile. J'ai un d'huile. Tout ça pour un d'huile. Et en plus, je peux pas en faire d'autres. Bref. Du coup, ce qu'on voulait faire, c'était l'extraction du marbre. Avec
recette morceau de marbre, recette kit de réparation du marbre, récolte gros morceau de marbre. Oui. Voilà. L'inquisiteur, on s'en fiche un peu. J'ai quoi sur moi? J'ai beaucoup de bière. Alors on va faire le truc. On va faire le speedrun dans l'infini. Des allers-retours, on va aller en ville. Juste me rends compte qu'il n'y a pas de caisse. Oui, c'est logique au final. Alors toi, tu veux me faire beaucoup de lingots. Parce qu'il va en falloir un certain nombre. Alors, toi, normalement, t'as déjà fait pas mal de d'os. Et là, je sais même pas combien de caisses je veux. Du coup, il faut 1000 clous. Et donc, bon courage. Voilà. Sans pause. Ah, je peux pas tout poser. Ah, oh, j'ai atteint la limite. Bah, je vais poser là-bas, hein, tant pis. Faudrait que je commence à l'utiliser, les lingots d'argent. Hop. J'aurais pu le remonter, mais tant pis. Celui-ci. On va le remonter au passage. Alors. Il y a déjà 3 caisses, d'accord, donc il n'y en a plus grand chose. Et on a gagné 90 pièces d'argent en vendant 6 caisses. Ce qui est donc plutôt rentable, même s'il faut que j'aille acheter des... Comment ça s'appelle ? De l'encre. Commercer. Donc ça, on vend tout. Non, tout. Ça, on va en vendre 7. Et ça, on va en vendre 25. Et ça nous donne 26 pièces d'argent. C'est pas en vendant de la bière et du vin que ça a l'air d'augmenter l'amitié. Tant pis. Hein ? Ah oui, non, le jour de l'inquisiteur. Oui, d'accord. Ah, mais en fait, ils se croisent. Est-ce que je vais... Ça me tente bien, moi. Aller acheter directement de l'encre vu que j'ai dit que j'en avais plus. Mais j'ai besoin de l'encre pure, pas d'encre et plume, enfin stylo et encre. Il n'est pas de sortie. Est-ce que ça on peut le miner du coup? Non, on peut avoir l'arbre. Super, oh vas-y. Oh, les petits arbres peuvent peut-être me faire des bâtonnets à bois infini. Je sais pas. Faudra voir s'il est réapparu. Et faudra voir où il y en a d'autres qui lui ressemblent. Il y a genre 2 épisodes, on se demandait. Qu'est-ce que je vais faire quand les arbres desséchés là-bas n'existeront plus? Pour le moment, ces arbres-là ont l'air d'offrir une opportunité. Alors ça, on prend
feuilles. Wow, elles coûtent horriblement cher, ces feuilles. Les livres souples, les livres reliés, quelle que soit la qualité, ça coûte plutôt cher. Mais c'est compréhensible, c'était compliqué à faire. Voilà, c'est tout. Est-ce que je prends des livres souples? Non. Je sais plus ce qu'il faut pour en fabriquer. Tant pis. Non, les livres souples, il faut juste de papier en pot de porc. Mais les livres un peu améliorés, je sais plus, mais tant pis. De toute façon, au pire, il faudra bien reprendre du... Il faudra bien refaire de la presse, faudra bien racheter tout ça. Est-ce que j'ai des graines à acheter? Pas vraiment. Du coup, on passe par le sous-sol. On prend le zombie. Oh, et puis non. Quelle qualité? Ah, du vin argent quand même. Je peux pas. Le 50% s'il tombe à chaque fois du mauvais côté, c'est pas bien. C'est pas du vrai 50%. C'est quoi ça qui a plus de place? J'ai pas pu poser les lingots. En fait, je vais prendre cela aussi. Et toi, tu vas te mettre à faire quelques caisses. Parce que là, j'ai 300 clous. Non, 208. Et encore presque 1200. Pourquoi il a pas commencé par finir ce stack? Je comprends pas. Ou alors les zombies, ils sont... Ce stack est à gauche, il est pour moi, et tout le reste, c'est pour les zombies. Je sais pas. C'est bizarre. Enfin, c'est en priorité comme ça que ça marche, peut-être. Je ne sais pas. Des bâtons. Des fleurs. Des fleurs, j'ai dit ici. Les œufs, c'est à l'intérieur. Les mythes, c'est au sous-sol. De clous, voilà, et tout le reste là-bas. Ça me va aussi. C'était où? Tout ça. Les œufs. D'ailleurs, on va faire quoi juste après? On va... Est-ce qu'on va explorer? Est-ce qu'on va... Alors, la mythe, non. L'encre.
Voilà. Oui, il fallait que je voie le marbre. On va voir le marbre. D'ailleurs, il n'y avait pas trop de technologie là que j'ai débloqué. Non, la pelouse j'ai fait. Alors là, la carrière de zombie. D'ailleurs, la carrière de zombie de même. Ouais, je vais faire un aller-retour, c'est pas grave. La bière coûte énormément d'eau. Ça se trouve, voilà, pompe à eau. Typographique, ça on a déjà fait, oui. Oui. Tour de potier, oui. Non, on va faire une pompe à eau. Voilà. Ça fait quoi du coup? Je peux quand même en prendre à la main. Ça va me remplir mon stock, mais ça me remplit en seau ou en eau directement? D'accord. C'est de l'eau directe et apparemment faut prendre sur place. Ça a son stock. Très bien. Je vais vérifier les lampadaires et le marbre, comment ça fonctionne. Censé me faire une veine de pierre. La pierre et le marbre, c'est pas du tout, enfin c'est pas le même matériau de base. C'est pas comme si une chance sur deux que ça me fasse une veine de marbre plutôt qu'une veine de pierre. En tout cas, c'est pas censé fonctionner comme ça. Il y en avait peut-être un qui était pas bien fait, mais je l'ai peut-être refait. Je sais plus. Et maintenant, je peux même plus interagir. Je crois que c'était lui que j'avais pas fait, du coup, j'ai dû le faire. Oh, il y a beaucoup de fleurs par ici, en fait. Ça, c'est une veine de charbon. J'ai de la craie, du soufre, d'accord. C'est peut-être à moi justement de éliminer ces matériaux chelous. Du coup, ouais, il y a tout. Il y a tout le chemin. Il bosse plus, très bien. Là, marbre. Alors, je peux faire du marbre en prenant 5. Comment ça s'appelle déjà? 5 cal, j'aurais dû prendre le nom. Oui. Construire. Il n'y avait pas d'emplacement pour mon terme normalement. Normalement ça je l'ai vérifié. Ah bah si, y a une lanterne ici. Alors, on note 4 pierres. 4. Ah, c'est du verre que j'ai pas fait. Et là, mon fourneau, il tourne à plein régime pendant 6 mois. Pour ça qu'avoir un deuxième fourneau, je commence à me dire que ça peut être pratique. Donc, 4 pierres, 4 pièces de fer simple et 2 verres. Et eux, voilà. Et non, il faut que j'aille ici, non. D'ailleurs, 4 pierres.
contre ça, je m'en fiche. Ça, je m'en fiche. J'ai pas trop envie de leur donner des trucs qui vont pas dans les coffres de dehors. Voilà. Du coup, c'était 4 fer, pièces de fer, fer simple et 2 de verre. Alors, non, il faut que j'aille dans technologie, dans construction et carrière de marbre de zombies. Du coup, la construction, carrière de marbre de zombies. Je sais plus s'il faut un ou deux. Il n'y a pas d'autres stocks à faire. Donc je peux faire un autre stock quand même. Ah, je sais pas s'il faut un autre stock ou un coup de pierre du coup. Je ne suis point sûr. En tout cas, j'ai l'impression qu'en vrai, faudrait que ces stocks-là, enfin peut-être pas tous, mais qu'une partie de ces stocks soit chez moi. Parce que lui, j'ai l'impression qu'il bosse pas vite tant que je suis pas venu le voir. Et du coup, ça sert pas à grand chose, quoi. Là, on peut pas faire de... Non. Alors. Il nous faut... On va transporter les veines, machin. Je sais pas. Je ne sais pas trop. Il nous faut donc une pioche 1. Est-ce que c'est ça? Parfait. Il nous en faut peut-être une deuxième du coup. 8 planches. 4 clous. 8 planches, 4 clous. Enfin 8 d'os, 4 clous. 4 pièces de fer simple, 2 verre. Et en plus c'est le jour de la... du sermon. Un peu zappé, du coup je vais zapper les trucs. Que ça, c'est la même chose toutes les semaines. Quoique ça a changé récemment, c'est vrai. Faut me donner plus de fois, du coup, mais quand même, c'est pas si différent que ça. 7,44 la semaine dernière, c'était 6 et quelques, et 2,49, je crois que c'est la même. Presque à 200, je peux peut-être...
200. En fait, non, d'accord. Je croyais que là en bas, même ici, on pouvait mettre une pelouse que je n'avais pas fait, mais ce n'est pas le cas. Alors, on va reposer tout ça. Fait toutes les ruches, même si on n'a pas forcément besoin. Ah mais le miel, 3 à 15, 5 à 15, il est quasiment aussi fort que le... Enfin, aussi bien que le que la bière, par défaut. Comment on fait équiper... Hop, à droite. À gauche, oui. Cire, par contre, je peux poser. Huile de chauve-souris. Ça me paraît pas mal. Il en a fait que deux. Non, l'autre il les a envoyées toutes celles qu'il pouvait. Non, il peut pas en faire plus. Il lui manque quoi ? Des clous, bien évidemment. Et tu me refaire plus de clous. Ça, je pose. L'abeille c'était dedans. Est-ce que là il y a un stock de miel pas plein vite fait. Et on avait dit un deuxième fourneau. Que demain on puisse le mettre à faire des caisses sans souci. Jour de Mademoiselle Charme, mais j'ai toujours pas 12 pièces d'or moi. J'en suis à presque 6. Presque la moitié. Waouh! De l'eau, mais pas beaucoup. Enfin, pas vite, quoi. D'ailleurs, moi, je voulais faire ceci.
on va te mettre, on va commencer à te chauffer avec du bois de chauffe. On pourrait faire du charbon, mais on verra après. Voilà, je voulais que tu me fasses un peu de verre. Très bien, c'est peut-être un peu trop. Je sais pas pourquoi le loup m'avait l'air d'être comme s'il y en avait plein. C'est bon, tu réussis à faire cette caisse, tu réussis à faire la suivante, c'est très bien. Il me fallait 2 de fer, il me fallait 6 doses, 6 clous, 8 doses, 8 clous, je sais même plus. Peut-être même 2 fois, mais s'il faut 2 fois, ça veut dire qu'il faut une pioche 1 en plus. Donc il faudra que je revienne quoi qu'il arrive. L'épée en acier, je l'ai déjà. Laisser là. Allons exploiter un peu de marbre. Il y a déjà du miel qui réapparaît. Ça fait du bien de plus avoir à exploiter soi-même le bois, parce que le ramener c'était vite embêtant. Bah oui, mais je suis venu. Mais il y en a 2 carrières de marbre, d'accord, donc voilà. J'ai ma réponse, il en fallait un deuxième. Donc il faut 8 d'os, une pioche 1 et 8 os, une pioche 1 et 2 vitres. Je pense réellement à délocaliser le coupe pierre, parce que que les stocks fassent le yo-yo comme ça, c'est bizarre. Lui, alors lui, il sert à rien. Là, tout de suite, tant que je demande pas de bois, il va faire des allers-retours remplis pour pas grand-chose. Mais bon. Bim, bim, boum, boum. On a dit 8 d'os. On a dit une pioche 1. On a dit qu'un zombie pouvait nous faire ça. Parce qu'en plus il doit se faire des clous. Hop. X. Voilà. Et après, par contre, tu peux te remettre sur tes propres clous. Ça me va. Voilà. Bizarre de voir des petits chiffres pour le pour les technologies, à part pour le pour la nature, mais pour le pour la force et le spiritualisme. Je compte, faut que je ramène un zombie, parce que là je vais faire la deuxième mine de marbre, mais s'il y a 0 zombie qui travaille dedans,
pas très utile. Alors je crois que c'est celui qui est au sous-sol qui est à 15%. Et voilà, vin de qualité grise, malheureusement. Je vais pas aller, je vais aller vendre le vin que j'ai sur moi. Je vais peut-être pas aller en ville avec lui. Pas qu'il me fasse honte, mais j'ai peur de la réaction des gens. Quand ils vont voir que je me balade avec un non-bord. Même avec un cadavre, ce serait pas très... Allez où vous voulez tant que c'est loin de moi. Ah ouais, elle est violente maintenant, là. La mademoiselle Charme. Papier d'aristocrate, ouais. C'est bien ça. Que j'ai vu. Alors, on a dit qu'on voulait vendre... plus ou moins tout le stock de vin rouge de qualité. Là, c'est le marchand qui va arriver. Très bien, très bien. Quoique... Non, vaut mieux garder la caisse à gauche, en fait. Là où il pourra lui-même là, s'en servir. J'ai pas vérifié si c'était bien lui qui était à 15. On peut regarder ça très rapidement quand même. On le met là. On voit en haut à gauche que c'est bien lui à 15. Pourquoi lui il veut plus bosser? Il y a plus de lingots. Voilà quelques lingots. Mais là, la production est finie. Tu vas me faire des lingots d'or. D'accord, tu peux pas parce que t'as pas de combustible. Deux zombies à miner du marbre et un à miner de la pierre, en tout cas pour le moment. Parce que j'ai pas spécialement besoin de... Enfin, j'ai déjà des stocks de pierres importants. Ce serait dommage que, par contre, je tombe en rade. Mais... besoin d'en avoir beaucoup plus que ça pour le moment. Voilà, et là lui il a plus rien à faire quoi. C'est buggy. Alors avant de le prendre, construire. Construire la lanterne, c'est fait, et voilà. Lui il a combien d'ailleurs? 12. Voilà. Maintenant, toi, tes priorités. Hein? D'accord, le marbre, il faut des piquets de bois pour le casser en morceaux de marbre. Bon. Vu que j'ai pas envie de faire une chaîne d'approvisionnement, enfin, je peux pas ramener ici des... comme je veux.
Ah d'accord, lui, pique pas, ok. Du coup, le marbre, tu peux me ramener. Je stockerai et ferai le marbre chez moi. Ça, du coup... Est-ce que j'ai besoin de fer? Est-ce que j'ai besoin de plus de fer ou de charbon? Peut-être plutôt du charbon, en fait. Comment il grandit? Là, il est petit. Là, poum! En fait, là, il le porte sur son épaule, côté vers nous. Là, hop, au-dessus de la tête. Quel warrior. Je sais pas trop à quoi ça va me servir, la craie et tout, mais... Mais je me dis que ça va pas être si inutile que ça. Si c'est dans le jeu, c'est que ça doit bien servir à quelque chose, quoi. Le soufre, pareil. Bon, ah, tant pis. Il veut plus. J'ai fait un bon stock de charbon parce que j'en avais envie, voilà. Ce qui me fait penser que je vais devoir me faire un bon stock de piquets de bois chez moi. Commence à me les envoyer, à m'envoyer le marbre. Je vais en avoir besoin. Alors, toi, voilà. Continue de bosser. Là, c'est tout posé. Que ce soit tout fait pour venir et ici voilà un petit stock, comme ça on pourra faire du marbre tranquillement pendant un bon bout de temps. Normalement ça devrait nous tenir quelques temps. Alors caisses n'ont pas encore été vendues, mais presque. Pom, pom, pom. Je crois que je vais retourner au sous-sol comme ça. Quoique j'ai pas full énergie. J'ai débloqué quoi en technologie? C'est juste la possibilité de faire du marbre. J'ai pas encore les briques de marbre poli, mais j'ai pas encore en fait les pierres tombales en marbre. Bon, d'ailleurs, j'aurais pu regarder là. Ça va être les pierres tombales, enfin les sculptures de pierre, mais ça va être tombale en fait qui lui rapporte 5 lauriers pour la renommée. Du coup je peux peut-être commencer par mettre les cerclages là où il y en a 8. Je peux mettre les cerclages à 3. Du coup lui il est un peu pourri quoi. 1 2 3 4 5 6 7 8 ouais. Retirer à 8, donc tu prends plutôt un cerclage à 3, pas à 2. Un, deux, trois, quatre, cinq, six,
9. 1, 2, 3, 4, 5. Ouais. Donc tu prends ton cerclage à 3. Genre. Toi, on s'en fiche, on a dit. Ah ouais, la qualité commence à se dégrader. Il va falloir des kits de réparation, des trucs comme ça en plus. Toi t'es à combien? 1, 2, 3, 4, 5 crânes blancs. Donc tu es assez 8. Toi pareil. Voilà. Un petit peu de place ici aussi, c'est pas plus mal. Va me falloir des kits de réparation pierre et plutôt pierre parce que le bois, autant que j'enlève les cadavres, même si ça me coûte un petit peu. Oh, j'ai cru qu'il y avait une cinématique où tout s'était enlevé et que je buguais contre le mur. Et là, 49, 69. Tout ça pour 4 lingots d'or. Ça non, ici. Même on peut mettre l'autre. Vu qu'au final. Je le prends pas sur moi. En général. Enfin les fois où je dois. Où je dois améliorer. Et du coup j'ai toujours pas augmenté l'embaumement, tout ça. J'ai toujours. Et c'est la théologie, augmenter les pierres qui est intéressant. Super. Et pas fait un seul bijou. Mais maintenant je peux. Non, je peux faire un fragment de bijou et un bijou. Voir à combien ça se vend, tout ça, tout ça. On va se reposer un peu. J'aurais peut-être dû le mettre à faire les caisses. C'est pas grave. Donc parlant de caisses. Si, il peut en faire combien là? J'ai dit qu'il fallait qu'il en fasse 5 autres, mais. Il lui manque des clous et des planches dans tous les cas. Du coup, des dosses. Et des clous. Ici, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? Je vais essayer d'avoir un des deux qui produit du fer en plus ou moins en permanence. Et l'autre qui produit le reste. Je me sens prêt pour aller au sous-sol me battre. Je pose tout ça. Pierre de foyer. Je l'ai acheté, mais je sais pas s'il faut l'utiliser. Enfin,
Lui, c'était l'épée. Il part même avant que le crépuscule atteigne la croix. 5, on a déjà vérifié. 6. Je suis un peu surpris. Je sais plus si c'était en haut ou en bas. Je crois que c'était en bas, mais on va vérifier. Ah oui, et là il y avait une pièce en bas, une pièce en haut à droite. Et bon, je vais commencer par en bas. Et les deux avaient des mouches et ça m'embêtait de pas pouvoir tout ramener. D'avoir une possibilité de pas pouvoir tout ramener plutôt. Ah non, c'est pas une mouche. Eh ben, il s'est passé des choses dans ce donjon. Je me demande ce qui se passe une fois qu'on a fini le donjon. Ah oui, les chauves-souris de feu, oui. À faire le donjon quand même du coup. Oh, une mine de... J'aurais dû regarder, il me reste un slot. Il me reste plus de slots. De venir explorer juste le début de cet étage. Là, j'ai pas mal de types de poudre. Voilà. Par contre, l'armure. Faut que je fasse un peu plus gaffe à bien esquiver parce que là, je commence à être ric-rac. Poudre de santé qui ne peut pas rentrer ici. Bon, on va enlever un peu de miel vu que maintenant je veux bien le manger. Voilà, ça on pose là-haut, ça aussi. À droite les ailes de chauve-souris et les blobs bleus. Lui, il a réussi à écrire un bouquin encore. Waouh. Hein. Oh, il l'a mis là. Un bouquin bleu, très intéressant. Okay.
Qu'est-ce que je fais qu'est-ce que j'essaie de faire en priorité? Je pense même pas y arriver dans cet épisode. Non, pas ça. On va faire les cruches. Parce que je crois que j'ai déjà la recette pour faire les... ça là, oui, j'ai déjà pour les urnes funéraires. Il me semble qu'il faut des cruches. Mauvais clic. Donc est-ce que j'essaie d'avoir ça? J'en suis plus ou moins à la moitié, mais après il faut ça en plus pour que le marbre devienne utile. Ce qui fait son... ça fait beaucoup quoi, mais pourquoi pas. Est-ce que j'essaie d'avoir une urne funéraire en porcelaine? Si ça se trouve la porcelaine, je sais même pas avec quoi c'est fait en vrai, mais si ça se trouve c'est fait avec du marbre, ça sera plus rapide du coup pour utiliser le marbre. Et du coup je passerai directement au columbarium de pierre, de marbre plutôt que celui de pierre. Faut peut-être que je fasse les deux l'un à côté de l'autre pour juste pour le cimetière, pour qu'il soit joli. D'ailleurs je sais même plus c'est quoi qu'il faut, qu'est-ce qu'il faut. Faut que je regarde. Ça se trouve on peut faire ça. On peut faire ça d'ailleurs. Sinon. Il y avait quoi d'autre d'intéressant? Pas grand chose. Ça. Pas grand chose. Du coup. On va se faire un 120. On va regarder ce qu'il faut pour le columbarium de pierre et les urnes funéraires. C'est fabriqué où les urnes funéraires? Table de cuisine, oula. Heureusement que j'ai regardé, je ne m'en serais pas souvenu, j'aurais du mal à trouver. C'est pas là que j'aurais cherché. Là. Alors, urne funéraire. Oui, il faut une cruche en céramique et des cendres. Donc pour moi, j'ai qu'une seule cruche que j'ai mis là quelque part. Alors, le zombie, il est où? Ne le vois pas. Ah si, il est là. Je l'avais aperçu et tout de suite il est disparu de mon champ de vue. Prendre. Non. On va te mettre à faire les caisses. Non, les caisses il te manque du. Il te manque les dos et les clous. De toute façon. Ensanglanté, c'était au sous-sol. Et les graines. Voilà. J'oublie à chaque fois de venir voir le compost avant de repasser ici. D'ailleurs j'aimerais bien le déplacer juste dans l'angle. Je suppose qu'on peut pas maintenant qu'il est en route ici. Je suis là. Voilà. Et pour en refaire un, 10 bâtons. Voilà. Ça y sera dans l'angle, si j'aurais dû le faire il y a très longtemps. Ton poste. Pareil, je pourrais mettre les
les... Comment ça s'appelle? On peut quand même passer là. Est-ce que je peux l'atteindre de la gauche? C'était l'objectif initial. Non. Ok, donc ça sert pas à grand chose. On peut mettre d'autres choses? Logiquement dans un compost, à part des déchets agricoles. Ah, j'imagine pas si on peut mettre autre chose que des déchets agricoles. La misère que ça va être. Non, c'est bon, j'ai plus rien à... Oui, je l'ai bien placé, donc non, on peut juste pas le coller à gauche. Non. Où est-ce qu'on peut les faire les... Cuisson de la céramique. Ah, c'est cuisson. D'accord, oui. Bon, je vais pour voir déjà le stock. Oui, c'est là. Alors, le... C'est tout. Plus d'énergie. On va se reposer. J'aurais dû sortir parce que soigner les PV, je m'en fiche un peu. Je suis pas obligé de le faire comme ça. Voilà. Donc, lui, il a fini. Voilà. Ah, les pichons porcelaine, il faut de la poudre blanche. Poudre blanche que je débloque en tuant des mouches, je crois. Je pense pas en avoir vu autrement. Peut-être, mais je m'en souviens pas si c'est le cas. Mais par contre, je peux voir un lot de 10 cruches. Donc, on va faire ça. Parce que pour faire les urnes funéraires, il faut des cruches et des cendres. On va regarder combien il faut de... alors, il faut 12 urnes funéraires en céramique, pas les autres. Oh, il faut un bouquin aussi, un livre. Ça, c'est faisable. Donc 12, ça va arriver. Donc il faut 4 poutres, 4 briques de pierre polie, 7 d'os, 4 clous. 4, 4, 7, 4. Quatre, quatre,
7. Pierre Poli. Plus, on a dit un livre de qualité médiocre. Et 12 machins. D'ailleurs. Pile poil toutes les ailes de chauve-souris que j'ai, je pensais que. Et là, il faut chapitre vite fait, non c'était à côté, et on se fait un livre pas très beau, mais c'est exactement celui qu'on veut. Voilà, donc là, je peux faire l'un des deux. Je vais reposer ça tout de suite. Ça m'intéresse pas plus que ça, enfin pas pour le moment. Alors, je sais plus où est la cendre. Une station de prière en bois. Oh. Hein. Ah mince. Maintenant, on veut
retirer ça et ça. Prendre une bière. Prendre du miel sinon. Voilà, parfait. Enchaîner. On prend un peu de miel. Voilà. Maintenant, on veut le columbarium. Oui. C'est dommage qu'on puisse pas cliquer pour voir la place que ça prend, si c'est des endroits précis, etc. Voilà. Moins 2, d'accord. Moins 2, plus 2, d'accord. Par contre, s'ils me disent... Oui, alors la station de prière en bois, il se peut que des gens viennent prier, que ça te donne un peu de foi, comme les... Comme ça, là, gauche et droite, je crois que j'en fais masse. Ici, est-ce qu'il y a des trucs? Je remplace toutes mes fleurs par ça. Yeah, oui, si jamais il y en a un qui veut. Alors, ouais, du miel. Ça commence à être intéressant. Une pelouse. Tac. 16. Qu'est-ce que je peux faire d'autre à part des parterres de fleurs? Non, pas du parterre, je peux pas. À part des pelouses partout. Columbarium. Si. On va se prendre un peu d'argile parce que je te sens mal. Du miel. Du miel. Voilà. Toi, tu continues là-dessus. C'est à l'intérieur. Toi, tu veux faire un peu de fer avec ça. Et là. Une. On va... faire la prière. J'aurais peut-être dû améliorer les prières depuis tout ce temps, mais... ça. Pas mal de foin en stock. J'ai combien de... J'ai 2 certificats d'inhumation. Maintenant, les déterrer et réenterrer,
Ça me coûte un petit peu de bois, enfin les déterrer et les brûler, ça me coûte 25 centimes, un petit peu de pardon, de bois pour faire des billes de bois, mais en général ils s'ennuient un peu, mais ils sont liés au bois. Et donc pas grand chose. Là, pour faire ça, il faut des vases. Pour les vases, il va me falloir de l'eau. Ça suffira. Tac, toi tu vas faire. Ah, il n'y a plus de. Les cruches qui manquent le plus, c'est les cendres. Et du coup, pour avoir des cendres rapidement, faut que je déterre des gens et que je les brûle. Mais ce sera pas assez rapide pour que je les ai aujourd'hui. Est-ce qu'il y a un autre truc? Non, mais de toute façon, on s'en fait vu que j'ai pas pu sculpter les trois statues qu'il veut, donc c'est pas si intéressant que ça d'essayer de rush pour aujourd'hui, vu que pour la cathédrale il faut les statues. Étudier. D'ailleurs, toutes les fleurs. Ah, ça peut me faire de l'encre, ça. Des poudres pour qui influent sur les encres, normalement, non? J'espère. Et c'est les permis d'exhumer que je veux stocker. Voilà. Exhumer, oui. Poubelle. Il va y avoir plein de trucs dans mon inventaire que je ne veux pas. Toi, retirer. Oui. Toi, retirer. Toi, retirer. On va quand même aller dormir pour une fois. Thank you.
bientôt le jour du... Ah, une caisse par terre ici. Ouais, si j'en fais trop, ça va être à moi de la prendre et de la poser. Je vais vérifier comme ça, cette théorie, qu'ils la prennent et la posent que sur des slots intéressants. Mais c'est ce qui m'a l'air d'être le cas. Je peux peut-être poser toutes les jarres que j'ai. Il y a de la place ici. Enfin, est-ce que j'en ai déjà en stock? Non. Donc il va pas vouloir, c'est ça. Si je les ai en stock, X, tac, tac, ouais. Si je les ai en stock, pas besoin de. Si je les ai en stock ici, c'est que je ne compte pas les réutiliser. Ça sera bien. On dirait que. En stock. Ah si, ah d'accord, je pensais qu'il les stockait, peut-être qu'il les stocke, mais il me les donne 10 par 10 en tout cas. Ce que j'en pose ici, oui, je vais juste remplir ce slot et après full au sous-sol. Là, les cadavres, voilà, dormir. On va rester une fois de plus avant de dormir et de se quitter. Et on va faire un peu d'aménagement du cimetière. Ça me paraît intéressant tout de même. Des bruches en céramique et de la poudre blanche. Mais de toute façon, ça ne me sert à rien. Des lingots d'argent, mais je sais pas trop quoi en faire. C'est surtout que ça me prend moins de place, mais... que je veux pas du fer plutôt. J'ai pas beaucoup de lingots de fer. C'est parti. Ok, le stock est bel et bien rempli. Ah! D'ailleurs, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'ai 5 juste en bas, et sachant qu'il y a 6 stocks à vendre. C'est bon, j'ai un peu de marge. Donc toi, tu vas te mettre... Ouais, me faire un peu de place ici. J'hésitais à aller en ville tout de suite, mais je vais attendre pour vendre les
les certificats d'inhumation. D'ailleurs, par contre, vu que je vais en cramer pas mal... Hein ? Ah, j'ai un corps en stock depuis 6 mois. Ce Yorick est vraiment instable. Ce pauvre type n'a rien dans le ventre. Remarquez, vous n'avez pas grand-chose dans le ventre non plus. N'oubliez pas que j'ai des dents. Knap, knap. Ok. Blablabla. D'ailleurs, c'est rigolo, c'est marqué 1 sur 2, mais il n'y a pas de corps, il n'y a pas de corps. Ah, c'est parce qu'il y a un corps qui n'est pas en train de cramer. J'étais en train de me dire, de où il y a autant... Et je suis à 1 sur 2. Oui, c'est parce que j'ai un corps de sortie. Et d'accessible, on va dire. La prochaine fois... C'est où ? Là. Full carotte. Carrément, sans carotte. Comme ça, je vais me motiver, me forcer à avoir plein de cadavres. Je pourrais faire quelques zombies en plus. Oui, je voulais récupérer les fleurs et les mettre au sous-sol pour les étudier, si ça se trouve. Faire des poudres plus que d'autres choses ou des extraits peut-être, parce que là pour le moment j'ai récolté tout ça, mais ça ne me sert pas à grand chose, si peut-être les champignons à la cuisine, quoique pas les, mais les champignons toxiques, voilà comment je fais de la poudre, de l'extrait et de la solution toxique. Alors déjà lui il crame, là je bosse. Ce que j'ai récupéré, je peux pas poser. Très bien. 7,84, oui. Ah, super. Je peux pas récupérer la foi et l'histoire, c'est pas grave, c'est pas grand chose. Alors, examinons. La pierre polie. Examinons le papier. J'adore examiner le papier. Alors. Non, on va d'abord examiner tout ça. Tout ce qui me paraît être plus vraisemblablement des ingrédients fluides. Et bim. Bah ok. Fluide. Fleur rouge. Dire qu'au début quand je voyais ça je m'en fichais. Poudre. Qu'est-ce que je disais? Les fleurs ça fait des poudres. Peut-être des extraits. Fleur jaune. Bah, essence, voilà, poudre et essence. Fluide et essence. Très bien. J'ai une histoire par terre qui traîne. Faut que je pose ce que j'ai sur moi. Alors la fleur rouge, ça fait de la poudre toxique. C'est bien ça, c'est fleur rouge. D'accord, poudre toxique, ça me surprend un poil, mais pourquoi pas. Là... Fluide, fluide essence, fluide essence, fluide. D'accord.
commencer par ceux qui peuvent faire des essences. Vu que ça prend du temps. La blanche. Une essence vert clair. C'est de l'ordre, ça, non? Alors. Champignon rouge. Solution toxique, logique. Herbe, ok. Santé. Solution de santé. Je sais plus pourquoi, mais il me semble que j'en voulais. Non, c'est pas là. C'est ici. Solution de santé. Ah oui, pour faire des épices plus plus. Ok. La fleur jaune. C'est chaos, ça, non? Miel. Vie. Solution d'ordre. Ça aussi, c'est de l'ordre, du coup, je suppose. Non, ici. Solution de vie. Mince. La solution de vie, c'était la première des deux. La jaune. Et la blanche, c'est de l'ordre. Devant et utiliser, mais en fait non, on a mieux à faire. Ah oui, mais du coup il va y avoir un cadavre, quoi, qui devrait m'être livré aujourd'hui. Quoique, si j'en ai 4 qui sont comme ça là, accessibles, peut-être pas. Pas grave, limite ça m'arrange en fait qu'il n'y ait pas de cadavre aujourd'hui. Je peux passer par là. Pareil, lui il va m'empêcher de passer quand je voudrais. Très bien. Tac, tac. Et là il me dit combien? Si je vais le voir tout de suite. 2 sur 2. Ah, ils ont déjà fini de cramer. Qu'est-ce que j'ai dit? Que ça m'arrangeait qu'il n'y ait pas tout de suite un cadavre. Qu'est-ce qui arrive? Un cadavre. Ce jeu ne me veut pas. Ne m'aime pas. C'est tout. Ah, peut-être à partir du moment où je le pose. Ouais, mais l'âne il était en route. Je sais pas. Je sais pas. On va arrêter de retirer les crânes aussi. Alors, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok, 7. 4 et 3, 7, pas 2 et quelque chose. On va prendre un
de 20, parce que c'est... Là, il nous s'en fout. 3, oui, c'est bien ça. Voilà, un cadavre à 6. Avec tous les trous béants. Et j'ai malgré tout... c'est malgré tout limite du positif, quoi. Je pose ça. Je ne peux pas poser. Je pense qu'il faudra que je les détruise. Lui. Lui, autant lui retirer ça. À plus 2 parce que mais ça m'intéresse pas plus que ça, le plus 2, on va dire que ça va lui épargner tant que j'ai du plus 1 ou même pas. Oh, lui, ouais, si je te mets une vraie croix, toi t'es bien. Croix avec une petite bordure, mais c'est pas grave, c'est l'inverse de ton collègue juste ici qui a une grosse bordure et une petite croix. Lui par exemple, il me met dans le rouge. Les zéros qui sont là, c'est pas des vrais zéros. Voilà. Ah, j'ai plus de... Ok. Plus de bois. Oula. Gros lagage. Ah oui, du coup, j'ai pas de... Ouais. Mets-toi là. Non. Faut que tu fasses des billes de bois, c'est où, c'est là. Alors, qu'est-ce que j'ai sur moi? Faut que les 2-2-2 là, je les supprime. Sans pause. C'est ici. Tac. Hop, ça supprime. Ça. Oui. Hop. Ça supprime. Non. Non, ça non. Ça non. Parce que ça vaut 3, ça vaut 3. Je vais vérifier vite fait que ça me l'a pas reposé, même si j'ai l'impression qu'elle est bien sur moi. Ça a l'air bon. Lingot d'argent. Voilà.
quelques fioles coniques. Alors ça on pose. Ah, j'ai pas la place de tout poser. Ça on pose si on peut. Du sel, c'est au sous-sol. Ça c'est au sous-sol. Oui. Beaucoup de choses à reposer au sous-sol. Non, poser. Il faut qu'on aille jusqu'ici. Les cendres, je vais les garder sur moi. Parce que faut que je fasse des machins avec. Tout ça. Oui. C'est où ? C'est là. C'est là. Pourquoi il m'a posé ce stylo et encre ici ? Ça à poser là-haut. Et ça à poser vers le cimetière si je peux. Le problème c'est le si je peux. Alors, extrait d'ordre pour la fleur blanche. Celle-là, elle devrait me faire de l'extrait de vie. C'est ce qui a l'air d'être en cours. Mais bon, l'ordre et la vie, c'est pas comme si j'en avais déjà. Cendre. Cachés. Je ne les vois même plus. Oui, non, et là, il n'y a plus d'espace. Ok, c'est ça. Alcool. Voilà. Ah merde, un cadavre. C'est un peu léger, non, cette. Cette, ça fait quand même du plus 5. C'est 7, bon, c'est. J'ai envie d'avoir un autre zombie. Et effectivement, extrait de vie. Alors, ça et jus de zombie. Parce
qui est bien, c'est qu'en extrayant le sang d'un zombie, en fait, à peu près quoi qu'il arrive, on peut refaire un zombie. On a toujours de quoi faire un zombie. Alors, il faut voir à combien il est cadencé, celui-là. Ben... 12. Zut. Et bof. J'ai pas pris les cendres en passant. Je crois qu'il y en a qui cramaient depuis tout à l'heure. Oui, et pareil, en passant, il faut que je prenne les billes de bois. Alors, c'est où les billes de bois? Là. D'ailleurs... Et je crois que j'ai déjà utilisé toutes mes cendres, donc il faut que je vienne ici, que je dise cette pause, que c'est bon. Ah, j'ai le zombie qui travaille pas. Non, tant pis pour cet arbuste. Ah oui, quand même, les billes de bois, il va m'en falloir quelques-unes si je veux continuer avec cette cadence. Graphite, c'est bien, mais ça sert à rien pour le moment. Pareil, les lingots d'acier et les pièces en acier, ça sert un peu, mais pas des masses. Du coup, j'ai déjà plus besoin d'avoir deux fourneaux. Mais bon, ça m'a été utile quand même un bon moment. Voilà. Cendre, je vais la remettre au sous-sol. Non, je vais passer par le sous-sol pour aller jusqu'au cimetière. Du coup, ici, je veux poser ça. Un poil abusé. Je vais quand même te poser celle-là ici. J'aurais pu passer par-dessous. C'est pas grave. Épisode qui dure 2 heures, excusez-moi. Le sang et la graisse.
Et voilà, je pense que c'est pas mal. Ah oui, il y avait des trucs ici. Ensuite, oui, non, c'était un lieu de crémation, de... Non. Un columbarium de pierre. Okay, il n'y a pas la place ici. Est-ce qu'on les met à l'entrée, columbarium et tout, dans cette grand espace, dans ce grand espace? Est-ce qu'on les met un peu planqués par là? Ou tout là-haut. Non, je pense qu'on va les mettre à l'entrée. Pas trop près du mur, au pire on mettra de la pelouse en bas. Moins 6 quoi. Il est pas construit, c'est moins 6. Il est construit, c'est 12. D'accord, mais Ah, peut-être... Encore un cadavre... Ça fait je sais pas combien de temps que j'ai l'icône. Ouais, je perds de l'énergie par défaut. Poser tout ça là. Ils vont pas voir. Est-ce que c'est... En fait, ce que je comprends pas, c'est pourquoi quand j'ai voulu le poser, il y avait des icônes comme quoi on peut y travailler, mais j'ai rien. J'ai pas genre, ah bah tiens, tu peux travailler et tu peux y mettre une... comment ça s'appelle ? Je sais pas, tu peux y mettre une comment ça s'appelle, une urne remplie de cendres quoi. Je sais pas ça, tu peux pas travailler. Point. Je t'ai fait croire que tu pouvais, mais non. Je suppose que c'est fini déjà. Hop là. Déjà plus de bois pour les prochaines fois. Tu ne peux pas le poser là.
oublié le cadavre. Ouais, donc si on fait trop, je vais l'enlever avant qu'il court avec. Ça va être à nous de les prendre et de les reposer sur les palettes une fois qu'ils sont possibles à mettre là-bas. C'est très bien. Ça me va. Je sais pas ce que je fais avec lui au final du coup, mais... son sang et sa graisse, mais on va le cramer quand même. Jusque là, 4, 5, 6, il n'y a que 6 crânes et en plus 2 en rouge. On va le cramer. On va te mettre à faire quelque chose quand même. Genre soit ça, soit ça. Il va quand même y avoir un cadavre qui va arriver. Peut-être repousse. Mais ça se trouve, c'est ça notre source qu'on se demandait depuis quelques épisodes. Alors lui, il est toujours en mode rien à faire. Très bien. Très bien, très bien. Donc c'est bien ça. Quand ils sont... Faut que je le réveille une fois. Et après, tant que j'éteins pas le jeu, ça va. Voilà, pile poil. Ça va quand même vachement plus vite si c'est moi qui le fais. Oh! Mais ça me coûte de l'énergie et donc du repos ou. Enfin, du temps que je pourrais faire autre chose. Ici, j'espère que ce très long épisode vous aura plu autant que les autres. Et voilà, je m'excuse pour le fait qu'il soit vraiment long celui-ci. J'espère que ça vous plaît quand même. Et ben, s'il y a un cadavre que je vais oublier très certainement, j'espère que ça vous plaît, que vous continuez à me regarder. Et je vous dis à très vite.